bay koublié pote mak sonje pep ayisyen. Jodi an, après tout crime qui fait dans le pays, et puis gros l'autre dernier crime qui fait dans le pays qu'on ne parle pas là, son massacre qui fait dans la commune Gressier. Côté que assassin criminel assassiné 25 paysans dans la commune Gressier. Jean ça te kon fait, m'a rappelé que sous Jovenel Moïse yon moun frappe zotel dans le pays d'Haïti, puis PSPS qui a produit un rapport pour dire que Jovenel Moïse voye fait massacre sous peuple là. Et c'est comme ça le fait mentir, il fait un rapport sous soi-disant massacre la Saline, c'est massacre ça, c'est dossier ça même qu'a touye Jovenel Moïse. Eh bien, bandi assassiné 25 moun dans la commune Gressier, est-ce que nous avons Pierre Espérance pipe mou? Non, il pas dit rien. Eh bien, quand je parle avec Pierre Espérance à bataille du Bec et des Ongles avec Nenel Kassi, avec Jocelyn River, pour que vous fassiez pression sur le ministre de justice qui l'a accepté, M. Carlos Akil. Eh bien, justement, pour le ministre de justice, nous avons révoqué. Commissaire peuple, commissaire paysan, commissaire nation, commissaire tout haïtien, commissaire qui c'est l'espoir pour la diaspora haïtienne. Commissaire Pamnan, qui c'est commissaire Jean-Ernest Muscadet. Pierre Espérance, ou fait en pile? Et Mabdou, ou fait assez? Ou dans le pays, yo toléro, yo accepte tout ce fait yo. Mais Mabdou, ou gen de famille haïtien, qu'on peut jamais attaquer. Comme haïtien, c'est tempérament, ça fait cabri de pas, ça fait mouton. Mais Mabdou, naturellement, nous même haïtien, nous tolérons trop. Exactement, nous tolérons trop. Si vagabond ça bouille le gars, ça vient de manger petit voisin là. Faut qu'on ait quelque part. L'elfine fait digestion. Après quelques temps, s'il était des petits pour la tapé la caillou, pendant la fête digestion, la pense avec petit pour la tout pour le vin manger. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si Pierre Espérance, capable de faire tout dégâts ça qu'elle fait dans la société, détruire caractère moun, faire toute qualité de sac malhonnête, nous tous nous quittons là, yon le. La fini par arriver sous quand même. Et n'a victime quand même. Mais cadavre gâté ya. Mais cadavre politique qui est le Pierre Espérance là. Yon leader politique criminel assassin gang qui dit kap défendre doua moun. Li mette un chapeau organisation doua zume sous dol pour faire capital politique li. Li gen position politique li claire. Depuis pas le gouvernement, li attaquons à tous les niveaux. Jusqu'à ce que soit yon tout yon comme président Jovenel Moïse, même si elle te fait là. Ou du moins, li organise li faire foot jeto ou. Yon krasé pe yasou. Pierre Espérance, c'est Wally Lisa. Il fait politique, t'es tout politicien traditionnel, yo. Son ravet politique que lié. Mais il dit, la défendre doit moun. Est-ce que nous comprenons? Ou après que, soit Ariel, il était composition, ça fait ça. C'est parce qu'il était équipe Montana qu'il était besoin pour pouvoir. Est-ce que vous comprenez, Mabdou? Sous Jovenel, il était composition, c'est parce que Jovenel Moïse coupé contre Dimitri Vop qui se patron. Est-ce que nous comprenons, ça m'a dit nous là? N'après que sous Jovenel Moïse, il était composition claire. C'est parce que oligarchie pourrissante t'a pris frappe dans deux dernières demandes à Jovenel Lyon. Ça veut dire que monsieur t'es senti que patron le menacé. Et bien il t'est paniqué. Premier monde qui a attaqué Jovenel Moïse toute la journée, il y a les Pierre Espérance. Nel Kassi assassiné Mathilus Pierre dans Delma 41. Pierre Espérance prend défense li. Ralph Chevry assassiné Mathilus Pierre dans Delma 41. Pierre Espérance prend défense li. Le Ralph Chevry pète courir. Il traverse frontières. Dominique Kebemis avec $500,000 américains. $500,000 américains. Qui c'est $500,000 américains. En liquide. Et c'est vérité absolue. Parce que moi vivant en Dominicani. Je tengo mucho amigo. En la République Dominicana. Par contre, si je parle espagnol là bien. Même quand je parle de vrai. C'est des vérités absolues. Ralph Chevry. Te traverse avec $500,000 kidnapping dans belle. Jodi an, pour qui ça artiste qui relè isolant, pas capable foutre zagol aux États-Unis d'Amérique, foue plus zone en Kalalo. Pour ça petit pis ap gradué, li pa kap vide dans graduation an. Ça pas parler non? Comme ça fait Etienne Maille, pas ça fait pas nous. Mais quand s'agit de isolant, ou est que Ralph Chevry, il prend défense li, son type qui nous pas jambay avec tout non? Mais vous l'ensemble avec l'autre contraire. Nous c'est fanatique li, parce que c'est barricade coulier, nous connaissons ce carnaval li, mais isolant. Fait le vin États-Unis, qu'on ne m'a pas la voilà, pas la papa, allez, ça va intéresser nous tous. Parce que ça va dossier qui est important. Mais fait le monter États-Unis, qu'on ne m'a pas la voilà. Attention, il y a tout côté, oui, mais pour le moment, qu'on ne m'a pas la voilà, il n'est pas capable.
États-Unis, dit Iso, Iso Boutizo, Iso Lan. États-Unis, dit Boutizo, ou pour qu'on monte nos garçons. Fait tout le monde, fait plus de monde, faut Iso dans Kalalou pour moi. Pour une raison qui cause Iso n'est pas capable de monter aux États-Unis d'Amérique. Al fouye plus Iso dans Kalalou. Parole n'a pas parlé, comme nous-mêmes, dans Infobeto. Zafè, Tiema et pas Zafè, nous. Parler de artistes, dans le pays, nous pas intéressé, nous. Attaquer artistes, non. C'est pas tempérament, nous. Peut-être que artiste en quelque part, en courant, sponsor capable de faire l'opposition, qui contraire par rapport avec position par où. Et c'est normal tout, pour qu'elle reposition par l'an tout. L'on doit ça. Ok? Ou pas obligé contre lui. Mais quelque part, l'elle fait avec méchanceté à coup isolant. Ok? Ça veut dire que, et pas artiste méchanceté non, l'elle fait avec méchanceté à coup isolant. Ça veut dire que volontairement, lui fait attaque là, quelque part, ou doit redresser lui. Ça veut dire lui clair. Mais isolant, et isolant pas qu'à monter aux États-Unis dans le moment, non? Checker pour moi toujours. Si mal informé, checker pour moi toujours pour nous connaître raison. Hein? Si bien informé, checker pour nous connaître raison. Hein? Si mal informé, n'a pas adressé pour moi. Boutizo, Boutizo, artiste pays, il va qu'à monter États-Unis, non? Petite belle petite fille a gradué, c'est grave, oui. Pour une petite fille ou une petite fille a gradué, et mon chou pas capable de venir et graduation. Li. Et isolant, prend défense, il a le fille ou chevri, qui sont kidnappeurs. Ou assassin, et allié sûr de Nel Kassi, joueur Phantom Section 9, ok, qui assassiné plusieurs policiers dans Port-au-Prince, qui assassiné un homme d'affaires dans Delma 41, 3 février, Simbatropé 2021, qui est le Matilis Pierre, l'homme s'est pété couille de CPJ lancé à vide recherche derrière, et même monsieur traverse ses frontières à 2 000 000 de dollars américains. Journal Dominique qui est en courir, et puis après ça, ou jouen ravet dans le pays d'Haïti, gang sale qui dans le micro dans le pays d'Haïti, yo ouvre bec yo pour yo dire comme ça que, oh oui, Ralph Richevry te gagne environ 310 dollars américains la mel. Bon gang à micro dans le pays d'Haïti, Haïti pas capable d'étalier là. Parce que moun ka parle dans le micro yo, soit dégage yo, li reflète exactement l'image pays ya. Bon salope sale, bon gang sale côté nouye. Nous c'est même moun à politique traditionnel. Et ça fait Haïti dans l'état que le trouve là. Nous pas ka supporte bien. Bon assassin, bon méchant. Et je dis, il faut que diaspora haïtienne non naturellement comprenne qui média qui a parlé pour vous. Qu'est-ce qui a pris défense yo? Qu'est-ce qui a parlé pour le pays? Il y a des affaires qui nous parlent d'attendre dans le pays d'Haïti encore. La vête ça passe au monde. Il y a des PDG médias pour nous connaître le dans le pays ça. Pour nous connaître la position. Parce qu'ils ont impliqué dans tout acte malhonnête dans le pays. Ils ont connu le dossier assassinat président tout. Et tôt ou tard, vérité dans le dossier assassinat Jovenel, il pour prendre la oui. La justice américaine a continué à frapper. Et jusqu'à maintenant, c'est notre seul sens, notre seul bon. Nan bo ke niye ya, nan bo ke nous montrer que qui est-ce qui fait crime nan, c'est nan bo ça. Qui ambassade, alors, que la justice américaine y est. Ça pour comprendre, avant qu'on comprenne plus davantage. Pierre Espérance a attaqué commissaire Miskaden dans toute dimension. Et en pile appel fait, en pile moun a mette pression pour Pierre Espérance pour que commissaire gouvernement Port-au-Prince là t'ava révoqué ministre justice peuple là, alors et commissaire et gouvernement peuple là et Pierre Espérance. Selon toute information que nous gagnons, m'a dit que et Pierre Espérance, alors nous t'ai gagné depuis en 2022, nous t'ai bail information ça et côté que m'te dit que alors depuis en mai 2022 si m'pas trop moins c'était soit 11 ou bien 12 mai 2022, m'te dit clairement, mon gè toute information que Pierre Espérance a fait pression sous ministre justice Ariel lan pour t'avoir révoqué, pour t'avoir révoqué commissaire Jean-Ernest Muscadet. Et Michel Pilouin, monsieur t'a préparé un document, alors c'était sous demande Nenel Kassi avec Jocelyn Brivère. Pas oublier Jocelyn Brivère, c'est ancien sénateur NIP, ancien président de la République en 2016. Et Nenel Kassi, c'est ancien sénateur Nipto. C'est deux cavaliers pour le cas, deux alliés sûrs. Et c'est Odea tout qui te mette France LB comme directeur général de la police nationale d'Haïti. Faut que nous rappelions ça. En avance. Pierre Espérance, même je me suis écrit, alors te produit un rapport sous Jimmy Cherizier alias Barbecue pour te voyer dans les Nations Unies. Pour te le même. Et c'est rapport ça qui finit avec Barbecue net ou qu'on est. Parce que communauté internationale là pas de prend Pierre Espérance, alors pas de prend moun k'ap di Barbecue c'est gang au sérieux auparavant.
Parce que tu as pile chance pour te sauver. Mais pas de monde dans la société qui t'envie de sauver jeune garçon ça. Toutes les barbecues dans Mahon, la police mettait à vie de chèque derrière. C'est de que monde dans la société qui te connaît important jeune garçon ça. Dans la police, il t'a sauvé monsieur et la police t'a sauvé un bon grain. Tout ça c'est des Pierre Espérance qui te fait des matchs là. Pierre Espérance besoin fin avec monsieur. C'est parce que tout simplement, il demandait barbecue, il te voyait Timothée Roni avec équipe li al pote $80,000 avec deux Galil barbecue pour barbecue capable assassiner collègue li qui relait Marie-Hélène Gilles. Barbecue témoignel. Tout nèg reconnaît ses vérités. Mais de fait, depuis Pierre Espérance, c'est des éléments système là, il va parler de lui. On avance. Et bien pays a m'a dit nous que Pierre Espérance révisé ou bien réaccéléré sous dossier bataille pour éliminer le commissaire Miscadien. C'est éliminer même. Parce que pas oublier, Nenel Kassi, c'est un qui détruit politiquement dans le département NIP. La. Raison simple, c'est parce que avec présence commissaire Miscadien dans le département NIP, Livin fait que Nenel Kassi pas existé politiquement. Tale. Raison simple, c'est parce que pas un leader politique Haïti qui fait politique sans gang. Clair. Et bien, Nenel Kassi, son maestro dans sa fait gang. Li pas capable de faire politique sans gang du tout. Est-ce que nous là? Li pas capable de faire politique dans le département de plan sans gang. Et quel que soit côté. Et ça cause ou à Port-au-Prince, li rassure quel que gang de Port-au-Prince. Yo fin avec la police là. Yo gangsterise la police là. Toute police avec Nenel Kassi, c'est des kidnappeurs. Et Nenel Kassi, son kidnappeur. Sous besoin connaît action Nenel Kassi dans pays ça sous Jovenel Moïse fonre l'éviter l'homme innocent dans téléphone pour dire vite l'homme rend tête au service on parle avec toute franchise depuis qu'il a commencé à parler avec Nenel Kassi par qui moyen ça t'est fait qu'est-ce qui t'est fait contact yo qui l'a négocié venir tout côté combien fois vite l'homme aborde tout détail net. L'homme dit nous classe politique qu'on a là, son classe d'assassin, son classe kidnappeur, son classe gang, son classe terroriste, son classe méchant. Ce n'est pas jouet qu'il y a, non? Son vérité absolue, oui. Ok? C'est bon jouet qu'il y a, non? C'est gros baga qui est là, oui. Et même, dit nous que, type ça quoi, regardez sur l'écran, l'homme s'est fait pression, soumené justice avec équipe li. Mine justice qui se met Carlos, pas décidé de prendre la pression parce que monsieur Gampil, qui relève dans le téléphone, qui dit monsieur, évitez de faire ça. Révocation Richemont, son beau travail. Révocation Elder Guillaume, son beau travail. Parce que assassin, ça va gagner que t'as fait la queue, persécuter les monde pour Ariel Henry. Renan Richemont, surtout son gang, son criminel, son qui tue journaliste. Ligue dossier, sous doule. Mais on dit, ouais, si vous attaquez Muscadé, ou ap tout fini, comme ministre justice et politiquement ap détruit, et même gouvernement l'on ka tombé. Il y a un pile moun qui conseille ministre justice à ça. En mes paroles là tout, pendant que nous ap parlé de l'OCA, l'irrivé jeune premier ministre qui c'est docteur Gary Koni, selon toute information que nous gagne. Gary Koni, qui est de moun qui parle avec elle, il dit monsieur, et monsieur connaît Miscadé tout. Elle me dit nous connaît, elle dit que pendant monsieur à l'étranger, il connaît suivi l'actualité de Haïti, lui qui est cap frappé contre gang de pays d'Haïti. Et si Gary Koni, c'est un nèg qui a envie d'éradiquer le phénomène gang dans le pays d'Haïti, la première Muscadé en pile. Ok? Bien que le doit pas un courage pour le parler, même j'avais non, parce que nous connaissons ce secteur voloa, ce secteur gang qui vient avec là. On avance. Et bien Pierre Espérance dit la passe sur l'autre vitesse, la passe plus haut, parce qu'il y a un gros contact. Qui ça, monsieur, dit? Tenez, oui, peuple haïtien! Moi veux chaque grand monde capitaine m'cap garder là dans diaspora partager mission ça pour nous pour nous faciliter plus haïtiens capable tendre ça qui a passé dans le pays et qui jouait Pierre Espérance a joué pour le détruire avec jeune garçon ça qui c'est commissaire Jean Ernest Muscadet. Moi veux nous tendre avec un peu d'intérêt. Le Pierre Espérance ouais que eh ben ministre justice, gouvernement pas envie d'elle. Li passe bon côté.
monsieur qui n'en, alors monsieur dame qui n'en coulève cette tête là. Ok? Il y a les côtés monsieur Liu. Et surtout pour représenter que le gars n'en coulève cette tête là. Pour yon ta faire pression sur ministre, alors sur premier ministre, pour premier ministre ta faire pression sur ministre de justice pour yon ta va révoquer Miskade. C'est ça Pierre Espérance Mandé. Et l'autre côté monsieur dit le bras le passé, monsieur dit la fait exactement ça qu'on fait. Qui ça qu'on fait? La produit un rapport. Même j'en te produit sous barbecue. La voye le devant représentant Binu dans le pays d'Haïti. De représentant Binu, rapport ça pral dans les Nations Unies. Et puis ça à tout. On le, ou katande au jour que les Nations Unies réunies, qui est invité pour venir prendre sous tribune pour venir parler des phénomènes de sécurité dans le pays d'Haïti. La Pierre Espérance. Et le Pierre Espérance vient parler. La pral dit que gon chef de gang dans le pays d'Haïti a pas de barbecue et les muscadets. C'est ça Pierre Espérance pral fait. M'a dit, papa ici, à partir de jeudi, tout commence à filer un bâton. Prépare un bâton avec tout piquant. Prépare un rache avec tout, avec manchette bien faite. Manchette nous bien filée. Gasoline, caoutchouc, allumette. Prépare le mettez là. Parce que je ne toujours dis, jour fait la tombe dans de l'eau, ce n'est pas jamais juste sale pourri. Parce que vous mettez bat chien, mais vous mettez tant de mètres parce que vous mettez quand même. Parce que l'année qui a fait ça, il faut le connaître que vous côté arrivé, il arrive dans le dernier bout. Et dossier Miskadéen, c'est bout de Pierre Espérance. Et nous devons faire Pierre Espérance sentir que c'est bout de non, mal que la fait pays ça. Il n'est pas acceptable, il n'est pas possible. Classe politique en servi avec monsieur pour détruire tout le monde de bien. Secteur privé gang en servi avec monsieur pour assassiner le président Jovenel Moïse. Il servi avec monsieur pour tuer tout le monde de bien dans la société. Il servi avec monsieur pour faire la police tourner ou la police gang. Il servi avec Pierre Espérance pour détruire le caractère monde de bien. Et c'est Wally ça. Son élément clé dans le système. Nan. Et son élément, présence li, son véritable obstacle, danger. Pour la nation haïtienne. Peuple haïtien prend son habitude, non. Nous pas qu'à continuer comme ça. Et bien, tout le monde clair sur ça, li pas qu'à continuer. Faut que nous admettons que le pas qu'à continuer. Faut que nous prenions toutes dispositions pour que ça a pas continuer. Parce que li pas possible. Li vraiment pas acceptable pour que nous tolérer au jeu de double zèle comme ça dans la société. Parce que son illettré que lié, son bête sauvage que lié. L'école, si vous ne pas intéressé, il va prendre ça. Mais c'est faire l'argent dans la question de la gang seulement qui est intéressé. N'a kap von zam n'est pas intéressé. Oligak kap von bal n'est pas intéressé. Le pape j'en produit un rapport pour le dire qui est oligak kap von zam dans le pays. Kap von bal dans le pays. Ce que vous connaissez, parce que c'est patron. Mais la détruit tout haïtien dans le pays d'Haïti qui prêt pour défendre la majorité du peuple. Faut nous bailler Pierre Espérance, Boalong Nikembe. A bon entendeur, salut. Jeudi à ce 3 juillet 2024. Premier ministre Dr. Gary Conille. Et parler dans les Nations Unies. Nous prenons le temps de ça que Dr. Gary Conille dit dans les Nations Unies, je dis. Et puis par la suite, il y a un pile de bagaille que nous prenons partager ensemble avec vous. L'académie, ça, je dis. Parce que faut que nous connaissions ce qui a passé en dedans pays. Et il y a naturellement une délégation, machine corps diplomatique, machine gros figure ambassadio qui débarquait. Dans le grand quartier général, force armée d'Haïti qui trouvait lui sous chef de masse jodi a. Et nous allons poser la question, qui est-ce qui était dans la machine ça yo? Qui ça? Yo te venu régler dans le grand quartier général sous chef de masse là. Mais entre-temps comme dossier ça chaud, Conseil de sécurité des Nations Unies, li réuni. Et jodi an, qui c'est 3, ok, juillet 2024 là, Conseil de sécurité des Nations Unies réuni, et mais de fait, nous pouvons courir, faire entendre l'intervention actuelle Premier ministre là, qui c'est Docteur Gary Conille. On a entendu l'intervention là. Dans les Nations Unies, et puis par la suite pour nous avancer avec la programmation. Et tout d'abord, je salue chaque grand nous qui a attendu, qui a regardé l'émission, quel que soit côté sur la terre. Après, nous partager, commenter, like, et puis abonner avec la plateforme YouTube InfoBetoa. Et puis, commenter, quitte ton commentaire pour nous parler avec chef de gang criminel assassin qui est le Pierre Espérance là. Parce qu'il est extrêmement important pour nous parler avec Volo ça, pour nous parler avec Théorie ça, pour nous parler avec chef de gang ça. Haïti gon grand moun. Après commandant Guy Philippe et deux grands monde parce que pays y a 3 monde là dans en général on dit comme ça il y a 3 monde
quoi me souvler. Dès pour gagner comme dirigeant dans pays d'Haïti, pas gagne moyen pour parler espoir établi, a bien stabilité, a bien sécurité. Premier relais Guy Philippe. Deuxième dans relais Maître Luc Mandelil. Troisième dans relais Jean Ernest Muscadet. Mettez trois moun ça pour être. Dans chaîne sécurité pays a pour que si Haïti parle en souffle. Jodi à la même. Alors tout d'abord on a tourné sur ça. En entendant Premier ministre Gary Conille qui était prêt la parole dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi, qui c'est 3 juillet 2024. Attendez ça. Et nous prenons le docteur Gary Conille qui prend la parole et dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi, qui c'est 3 juillet. En avance. Et tout à l'heure, docteur. Et tout à l'heure, est-ce que c'est OK? OK? Voilà. Et tu as un problème de connexion? Et OK? Et voilà, on a pu arranger si problème ça pour vous, le plus vite possible. Nous allons essayer encore. Nous allons essayer, c'est très important, ok? Je commencerai très bien. Évidemment par reconnaître la sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis, et évidemment de la, du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du Bénin, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prêt à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nemanzia, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des sentiers stratégiques de la transition.
Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et de nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique, car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle d'insécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière, afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance à cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition.
Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confronté Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% d'emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux, dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur les chevaliers politiques haïtiens. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours, tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire entamée depuis trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui, du coup, fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie, de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale devient incontournable. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale. Chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises que nous avons affrontées, des catastrophes naturelles aux crises politiques et économiques. Malgré cette aide substantielle, les résultats à plusieurs égards restent insuffisants. Il est grand temps qu'Haïti et ses partenaires se posent une question fondamentale. Qu'allons-nous faire différemment? À cette question, je peux déjà vous dire qu'en Haïti, nous avons pu commencer à assembler des hommes et des femmes honnêtes, responsables, courageux, compétents et qui inspirent confiance. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité et de développement d'une stratégie sécuritaire police-population, de la modernisation de l'appareil judiciaire, et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes, dans le processus électoral. Comme annoncé plus haut, nous allons favoriser une approche plus intégrée et plus stratégique, en impliquant tous les acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, internationaux, dans une planification et une exécution cohérente. Nous allons également nous concentrer sur la capacité à long terme plutôt que sur les solutions à court terme, en renforçant les institutions locales et en soutenant les efforts de développement durable qui sont alignés sur les priorités spécifiques d'Haïti.
En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale. Alors, m'a rappelé que jeudi en 3 juillet 2024, c'est l'intervention du Premier ministre Dr. Gary Conille dans une réunion qui est faite dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi en même, et dans New York City. En attendant l'intervention du Premier ministre Dr. Gary Conille et dans l'occasion. Pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. C'est une ère de reconnaissance pour Haïti, marquée non seulement par le désir de surmonter ses adversités, mais aussi par des actions concrètes qui illustrent notre engagement envers la paix durable et le développement. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître et à soutenir cet élan en collaborant de manière constructive et respectueuse pour accompagner Haïti sur le chemin de la récupération et du renouveau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en ce temps critique, alors que nous accueillons de nouvelles forces de sécurité internationale en Haïti, il est essentiel de rappeler que notre histoire avec les interventions étrangères est teintée d'expériences contrastées. Bien que certaines aient apporté un soutien et stabilité, d'autres ont malheureusement laissé des souvenirs douloureux en raison de violations des droits humains et d'un manque de respect pour la souveraineté et la culture locale. Ces événements passés ont à plusieurs reprises exacerbé les défis plutôt que de les résoudre, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de notre peuple. Aujourd'hui, nous nous tenons à point de convergence entre le passé et l'avenir, où chaque action et chaque décision doivent être guidées par les leçons apprises. Nous avons une opportunité unique de redéfinir notre collaboration en veillant à ce que toute assistance étrangère soit conduite avec le plus grand respect pour les principes de transparence, de responsabilité et surtout en harmonie avec les aspirations et les besoins des Haïtiens. En avançant, nous devons mettre en place des mécanismes qui assurent non seulement la sécurité, mais aussi la dignité et le respect de notre peuple. Cela nécessite une coordination étroite et une communication constante entre toutes les parties impliquées pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Notre pays est à un tournant crucial de son histoire. Nous nous trouvons devant un défi colossal, mais aussi une opportunité sans précédent de restaurer la paix et la sécurité dans notre nation. L'arrivée récente du premier contingent de la mission multinationale d'appui à la sécurité marque le début d'une ère pour Haïti. Cette mission, conduite avec le soutien de nos frères et sœurs kenyans, que je remercie du fond du cœur, est un témoignage vibrant de la solidarité internationale et un pas concret vers la stabilisation de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle du territoire haïtien, maison par maison, quartier par quartier et ville par ville. Ce n'est pas juste une opération de sécurité, c'est une renaissance de l'esprit national. Un renouveau de notre engagement envers l'ordre, la justice et la paix. Nous renforcerons nos capacités non seulement en termes d'équipement, mais aussi pour la formation et le renforcement des compétences de nos forces de l'ordre. Dans cette démarche, nous sommes guidés par une stratégie bien définie et une volonté de coordination sans faille entre toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales. Notre approche est stratégique et mesure chaque pas vers la libération de notre territoire des griffes de la criminalité. Cette stratégie en cours d'élaboration avec le Conseil de transition s'appuie sur les principes de rigueur et d'efficacité pour garantir la sécurité de notre pays. Haïti porte fièrement le flambeau de la liberté qui a éclairé le chemin de l'émancipation bien au-delà de ses frontières. Notre lutte héroïque pour l'indépendance a non seulement brisé les chaînes de l'esclavage, mais elle a également inspiré d'innombrables peuples de se lever pour leurs droits inaliénables à l'autodétermination. Aujourd'hui, en dépit des défis formidables que nous affrontons, l'esprit indomptable de nos ancêtres continue de nourrir notre résolution. Votre soutien continu, votre foi en notre peuple et votre reconnaissance de notre souveraineté ne sont pas seulement appréciés, ils sont essentiels. Ensemble, avec courage et intégrité, nous pouvons transformer Haïti en un exemple de résilience et de renaissance. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de vous dire qu'Haïti se tient à l'aube d'une ère nouvelle. Notre résolution reste inébranlable et notre espoir indomptable. Dans cet esprit, nous appelons à la solidarité mondiale, non seulement en reconnaissance de notre lutte commune pour la dignité humaine, mais aussi parce qu'il est du devoir moral de la communauté internationale d'accompagner ceux qui aspirent à un avenir meilleur.
Ensemble, avec l'appui continu et renforcé de nos partenaires internationaux, Haïti progressera vers la paix durable, la stabilité et la prospérité. C'est par notre collaboration et notre engagement mutuel que nous pouvons transformer les défis d'aujourd'hui en des victoires de demain. Merci de croire en Haïti, de croire en notre capacité à surmonter, à reconstruire, à prospérer. Ensemble, écrivons le prochain chapitre, un chapitre où chaque Haïtien aura la possibilité de vivre dans la sécurité, la prospérité, la dignité, un chapitre où chaque Haïtien redevient l'acteur principal de son propre devenir. Je vous remercie. Voilà, et c'était le Premier ministre Dr. Gary Conille qui était fait discours ça jeudi à la même. Devant l'Assemblée générale, devant le Conseil de sécurité, Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, parce que n'oubliez, c'est des conseils permanents, conseillers permanents qui fait partie des conseils ça, et des Nations Unies. Et bien, je dis, on était réunis, et c'est dossier, c'est Haïti qui était à l'ordre du jour. Et le Premier ministre a fait déclaration ça, et que m'espère que n'a pas gagné de commentaires sur lui. Mais c'est naturellement pas la suite. Et alors, il y a un avec le Premier ministre qui est extrêmement important pour nous connaître. Il s'est dit qu'il y a 12 000 personnes qui prennent 12 millions haïtiens en otage. Alors, ça fort. Et ça doit faire débat. Il est extrêmement important. Nous sommes capables de dire tout. Si 12 000 personnes prennent 12 millions haïtiens en otage, il n'y a pas 12 000 seulement. Il y a environ 20 à 25 000 personnes qui prennent haïtiens en otage. Et même n'gèlè pas mettre politicien là-dedans. Et comme il doit pas et il doit pas OK? Et comme il doit pas qu'à dire monsieur directement. Et OK. Il pas qu'à démissionner directement. Peut-être les tout et débarrer la globale même parce que si il t'a mettre politicien là-dedans. Parce que naturellement il va parler de 12 000 seulement. Parce que gang yo peut-être pas gang yo peut-être pas yo. Yo même personnellement yo plus passé en 20 000. Gang yo peut-être pas yo. Yo plus passé en 20 000. OK? Yo plus passé en 20 000. Moun prend 12 millions en otage. Et oui, gagnent yon 20 000 moun qui prend 12 millions haïtiens en otage. Oliga corrompu yon 11 familles qui prend Haïti, qui prend 12 millions haïtiens en otage. Gagnent des politiciens qui prend Haïti en otage. Gagnent et mais oui politiciens et gang à cravate qui dans secteur privé hein? Et puis ti gang à sapatio cap touye mon actuellement là dans commune Gressier yo prend et Haïti en otage d'accord ça veut dire que PM nan alors on pense que sinon bon comme on bail garantie tout et si nous capable gain garantie mais espérer que ou attaquer problème nan à tous les niveaux mais espérer que ou attaquer problème nan à tous les niveaux. PM Gary Conille, gen moun ki kapab oui, gen moun ki kapab. Evite plein gen moun ki kapab. Moun tande diskous la. Et nous même ça qui est important pour nous pour le moment, c'est action. Des actions concrètes et pour nous tande, allons pour nous qui fait pour que nous capab organiser nous pour nous aider pays à sortir l'entre difficile. Effectivement, qu'elle trouvait là. C'était ensemble pour nous mettre. C'est une volonté bon côté un dirigeant, tout haïtien capable de mettre toutes les différences de côté pour nous dire que l'heure est grave. L'extrêmement grave.
faut que nous fassions dépassement de soi parce que la Dominicaine est fêlée en 1994. Oh, monsieur. Ok? Joaquim Balaguer, Peña Gomez, comme si tu as un dépassement de soi que tu as fait. Tu as un sacrifice qui t'est fait pour la Dominicaine. C'est comme si nous avions à l'époque, pour nous être capables de jouer en tête là, c'est comme si c'était deux groupes qui ont dirigé la Dominicaine. Ils ont fait un mandat présidentiel en deux. Pour être capable de jouer en tête pour mettre stabilité dans le pays. Et là, ils ont fait avec tout eux-mêmes. Ils ont fait avec tout nom, tout cœur, tout en dedans. Ils ont organisé. Et depuis le ça, de 1994 à 2024, qui fait 30 l'année, la Dominicaine était couverte, mais c'est pays a démarré. Pays con stabilité politique enragée, il y a sécurité dans le pays. Ou quand on a tout problème, oui, pas de côté, pas de problème de sécurité. Oui, il y a violence. Il y a plus de violence en Dominicaine. Tout le monde connaît son pays, moun fou, on pays, garçon l'amour, femme l'amour, garçon a trouvé femme pour garçon, trouvé femme pour femme, femme a trouvé garçon pour femme, garçon a trouvé garçon pour femme, comme si son pays moun fou. Vous comprenez? Et toujours, il y a un petit volet là-dedans. Mais ça, en Haïti, il va exister en Dominicaine. Même dans le rêve, pas gagné la Dominicaine. Pas gagné. Qu'est-ce que vous avez pour un comme si pour un quartier, pour le faire 8 jours, 15 jours, 22 jours, non. De pour déranger l'État, l'État dérange. Parce que monopole violence, là, c'est l'État qui gagne. Et ceci dans tous les pays du monde. Et puis l'État, c'est le monopole violence. Là. Tout vagabond est obligé de replier. Et bien naturellement, en Dominicaine, c'est l'État qui gagne monopole violence. Là. Et ça va être facilité pour que l'État qui contrôle toute situation. OK? L'État qui contrôle toute situation. Eh bien, en Dominicaine, vagabond, criminel, assassin, pas qu'à décider comme si m'a dit pour prendre zone, pour bloquer un quartier, pour faire tout sauver là-dedans. Ou pas capable. Il décide de freiner ou, et l'État ou après l'État freine. L'État freine pour tout bon, et ou pas qu'à continuer. D'accord? L'irréel qu'ou après ou pas qu'à continuer. Et ce n'est pas clair pour tout le monde qu'on est. Et vous décidez de faire crime, non? Et bien, de fait, il y a des gens qui sont là. Et ils stoppent. Ou. OK? Les gens qui sont stoppés. Ils stoppent. Ils prennent toutes dispositions pour stopper. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Et il y a un pile parole qui parle. Alors là où ici, lui-même, accusé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Là où ici, même dit que les Nations Unies n'ont pas fait rien. Réel. Avec section 1. Allô? L'autre bagage que Nations Unies et la Russie dit que Nations Unies n'a pas fait rien avec section 1. Et juste, et alors, je suis capable de dire, résolution qui a été prise pour te prendre sanction contre nèg avec femme qui a pris des examens en Haïti, yo n'a pas fait exactement ça que tu as dit à France Mavelle. Parce que tu as une résolution 2645 qui n'a pas jamais rentré en application. Parce que naturellement, si toutefois les Nations Unies mettent la résolution 2645 là en application, on garantit non. Et ça va la priver là. Là comme ça, parce que pas oublier, bandi ou cap frappé là. C'est cartouche ou jeune. C'est munition ou jeune. Si on pas de munition, parce que va pas continuer, il va pas continuer. C'est cartouche ou jeune. Et automatiquement jeune cartouche, yo gon capacité pour que yo capable frapper. Parce que vous prenez. Et ben faut gagner des monde qui pour stopper yo. Stoppe yo, c'est ça. Et stoppe en action yo. Docteur Gary Koni ou de yo? J'espère que un jour rentre avec bonne nouvelle. Et tout le monde voit que bon, chita avec même moun yo, même équipe ou kon chita yo, pas de problème. Même équipe moun ou kon chita yo, c'est moun po yo ye. Yo ensemble avec yo. Et ou chita avec tout le monde pour chita, mais sauf avec peuple haïtien pour chita. Ou chita avec tout le monde pour chita. Sauf avec Peppa Issa pour chita. Mais espère au fond coûte tête ou al font chita avec Peppa Issa en tout, docteur Koni. M'dare moi al font chita avec Peppa Issa toujours. L'important, a les paysans ou ta remen wè ou. Pour ta doua font coûte tête nan Wanamet. M'conseille au fond coûte tête nan Wanamet, docteur Koni. Font coûte tête dans le nord. Al font ti wè avec paysan yo. D'accord? Li très important. Li très important. Font faire effort pour que ou font coup de pied dans province surtout. Sou fait là bon parce que tout le monde wè kochita avec et tout même monde pas d'oppression, même assassin yo,
peuple lui-même il pas besoin monde ça toujours peuple a besoin ouais ou capchita avec des nouvelles têtes des bons monde dans société parce que gen bon monde à la pouvoir soit bien bon monde yo à la pouvoir soit bien yo mais sous chita là c'est avec même volo yo même gang dans Port-au-Prince yo et ben mon cher peuple là a juste gardé y a pris c'est ça il pas l'autre bail non peuple a gardé ou et puis peuple a pris parce qu'il connaît pas rien de sérieux qu'a régler parce que c'est toujours même pratique là ça vous comprenez c'est toujours même pratique là pas rien sérieux qu'a régler mais espérer que vous tendez message ça et puis naturellement ou fait exactement ce que vous faites parce que chita avec même avec Port-au-Prince même secteur privé tout le président Jovenel Moïse yo et m'estimer que il va venir trop correct. Comprenez-moi? Il va venir trop correct. Que docteur Kony prend engagement ni prend responsabilité li pour que naturellement li fait exactement ça qu'il veut faire. OK? Éviter chita avec cravette, éviter chita avec criminel, éviter chita avec chef de gang, fait yo l'autre bagaille, chita avec moun pour chita. Que moun kou ka chita dans société ya. Et le peuple a aussi avec eux et après que naturellement ou aller dans bon pour aller mais chita avec criminel ça yo que tout le monde te connaît dans l'ouest là qui finance manifestation qui rentre les armes dans pays qui fait tout mouvement gang dans pays et ou pas jamais une solution et tout le monde a dit pas sérieux dans démarche yo et m'espérer l'autre tourner ou faire de l'autre compte d'accord PM. D'accord, PIPM. Docteur Kony, c'est ça. Et alors, gagné une photo qui a circulé sur tous les réseaux sociaux. Côté que vous montrez nous clairement. Et citoyen sacré Moïse Jean-Charles, qui allait dans une fête dans l'ambassade américaine. Est-ce que vous comprenez? C'est non fait ambassade américaine et tout moun yo dit clairement Moïse Jean-Charles là exact c'est exactement moun sa ke lié kou n'am grand pile moun ki relèm ki di mbeto forme d'affaire au fond faut ti tande Moïse Jean-Charles les Moïse Jean-Charles qu'on a pas attaqué ambassade américaine parce que Moïse t'es toujours à attaquer ambassade américaine mais jodi an qui est-ce nous naturellement et qui dans salle de réception ambassade américaine c'est Moïse Jean-Charles population dit que yo saisi ou bagaille ça yo Moïse Jean-Charles ak pat vle ouais ambassade américaine gros manifestation gros bagaille qui qu'on a fait et ben c'est Moïse Jean-Charles ça yo ouais cap défiler devant ambassade américaine et ben population dit que Moïse Jean-Charles, c'est pas n'importe monde, c'est pas monde pour jamais dans ensemble. Et m'te dit yo ça, surtout pour petit petit de Saline yo. Ça qu'on a comment les partisans de Jovenel de Moïse Jean-Charles, dit Jovenel Moïse pardon. En attendant nous arriver dans dossier Fatra Moïse Jean-Charles, en attendant un citoyen sérieux, un homme de bien, OK? Et yon haïtien conséquent, yon qui pa vle wè gang, yon qui nous qui t'est capable de nous résoudre problème ça, mais yon pas servir avec parce que yon pas jamais besoin problème dans résoudre vrai. En attendant de mettre Luc Mandelil peuple haïtien, jeudi, qui c'est 3 juillet 2024. Là. Mettre Luc Mandelé à l'appareil. Tout ça, il y a un budget à l'État et pour faire renseignement, pour faire information, pour faire contre-information. Ça, c'est un gros bail. 80% de prévention, 20% d'intervention. Oui. La police. C'est ça la police. Ça, il faut qu'il puisse voir ça arriver. Donc, pour pas tout le temps. Souvent en Haïti, la police seulement. La chef de sécurité publique, dans tout pays, sur la terre, c'est pas la police seulement. La police est une entité, la chef de sécurité. L'homme parle de sécurité, n'a pas laissé tout l'État. La douane, son entité clé, la question de sécurité. La douane. Parce que douane, non, c'est import, export. Parce que les armes, écoutez, ils passent. Il passe la douane. Tout le temps, il a regardé la télévision, il a saisi d'armes,
munitions, etc. Pour eux. Donc, on a parlé de question de l'APN. Tout ça fait partie de sécurité. Et collectivité territoriale, on n'a pas les maires, cagettes qui ont un tout ça fait partie de sécurité. La police, CSPN, le président CSPN, c'est le premier ministre. Et le ministre justice avec le ministre intérieur, c'est deux vice-présidents CSPN. Et le directeur général de la police, là, c'est le premier secrétaire exécutif dans CSPN. Là. Et l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, le deuxième secrétaire exécutif en question de sécurité. Donc là, on a parlé de sécurité, hein, nous sommes en macro, on va être global. Mais c'est trouvé que l'on a une telle entité qui ne travaille pas, l'autre entité pas fait. Alors ce c'est toute une chaîne que lié qui sont dans les cap du sol. Mais malheureusement, on a questionné en Haïti, mais qui fait quoi? Qui contrôle la douane? C'est l'État. Qui contrôle la douane? C'est l'État. On va demander les entités, ça est. La situation est là. Est-ce qu'ils font CSPN de la gestion intégrée dans CSPN? Moi, je crois que c'est intégré dans CSPN, il y a un rapport 24 sur 24. Qui est-ce qui a fonctionné? Comment la paix a fonctionné? Qui s'est contré? Qui contrôle drastique et métier? Parce que tout problème. Ça, très important. Suivi, balle, ça n'est pas contre là. C'est sous câble qui est balle. Il n'y a qu'à dire que son problème, on t'a presque résolu. Et s'il n'y a pas une munition, parce que. Fusil d'assaut quand même. Il t'a tourné, il t'a dit, on peut de frère. Si M. Tableau qui balle 439 millions, mais l'homme gardé, Jean-Luc Abidjan, on pas senti qu'on préoccupation vraie. Et au plus, ouais, c'est des gens qui ont déjà des fonctions, mais en réalité, ils n'ont pas souci de plus, ils n'ont pas de plus. Parce que la situation de la bandit n'a pas fait l'État, de l'État long, il n'a pas comprendre qui Jean. Pour le monde qui passe dans ce pays, pour qu'il puisse arriver là, le niveau de niveau là. Et si on a des soucis de travail, on n'a pas fait travail, moi-même, je garantis que le pays n'a pas arrivé là. Autrefois, comment chaîne de sécurité qui a fonctionné? Sous l'époque de l'armée, si tu me permets. Au commencement, les grands cachemis là, les forces armées d'Haïti, les composantes, police, il y a des gens qui pensent pendant. PNH l'a créé là, la police nationale, la police en Haïti. Il était gagné en composant la police et les forces armées. C'est alors, il y a une police qui est à l'intérieur des institutions militaires. Quand il y a une police civile, mais à l'époque, il y a une police qui donne dans l'armée, une police armée. Qui a été composé, chaque matin, bon officier, bon colonel et qui est responsable pour le Concombre pour le pays, qui a un grand patinéal. Et commandant section, ça, le chef de section police, il faut le rapport avec avant-poste et de police, avant-poste, forces armées d'Haïti tout près, qui généralement concourent le Conseil Jean. Attendez, oui. Si il y a un balle qui tire, si il y a un cabri qui volait, si il y a un bœuf qui volait, si il y a un monde dans la zone qui est reconnu, chef de section, il y a un rapport pour le balle. Rapport ça a cheminé par ces gens, l'avant-poste là. Ces gens, ils m'ont traité rapport, transféré par le commandant sous-district, généralement, dit, j'ai pris un lieutenant. Et commandant sous-district, transféré par le commandant sous-district, qui sont capitaine. Et le capitaine lui-même a adressé ses correspondances là, par le commandant département, qui sont colonel. Et colonel lui-même, et puis, il transféré rapport au grand quartier de la Défense d'Haïti. Et officier supérieur a traité rapport pour le déposer sous le bureau président. En 1830, pour président comme comment peut y arriver. Si on balle qui tire tout le monde comme ça, il faut que le pays soit contrôlé. C'est pas que ça. Là, dernier pays. Compartiment jeune. Oui, compartiment jeune, capitaine de là. Si tu es gagné, si tu es souci du pays, tu es capable de retourner à ça. Mais pour ce faire, il faut que l'homme qui s'en passe. Il faut que l'homme qui s'en passe. Il faut que l'homme qui s'en capable. En plus de volonté, il faut que l'homme qui s'en capable. Mais toute chaîne de sécurité, il y a la guerre sous de la police seulement. La police a fait pas faire tout le bagage pour col. D'où on a parlé la de l'armée, si j'ai. Importance l'armée, non. L'armée a la guerre de remettre sous pied, normalement. À l'époque, on a parlé comment chaîne de sécurité qui a été contrôlée. Alors, je vais me trouver. Les mauvais brèches de police, je vais me trouver. L'un des consensus exécutifs qui était là pour pouvoir, qui a l'armée, pouvoir, autorité, pour dire instruction. Parce que ce soit l'armée dans la police, les hommes viennent d'en haut. Ok, donc ça veut dire que pour la police qui est efficace, faut mettre la confiance, faut mal moyen et pour
permettre que le travail a fait. Et faut des fortes chaînes de commandement respectées tout. C'est-à-dire que le monde quand l'air, sous barre l'autre, il faut sûr que l'autre va exécuter. Et ça fait l'un des ministres de la justice, puis le monde est critiqué, parce que l'un souvent, et sorti dans le bureau, il n'y a pas de bureau. Eh bien, quand il a commencé à comprendre, de sous béton. Parce que l'un des instructions, il faut sûr que respecter, il faut descendre, vous voyez, vous avez un vrai fixe. Est-ce que l'autre mal a respecté? L'un des commandants, l'autre des commissaires gouvernement, il y a même bagaille. Il faut sortir mal regarder. Est-ce que là, vous occupez par des policiers? Est-ce que l'autre que nous balayons en l'air, est-ce que l'exécuté? Si vous ne faites pas ça, il y a un bon côté. Parce que la mentalité, nous avons des gens, conception, nous, toutes les maisons de job, nous avons des gens qui ont un comportement sinécure, des gens qui nous ont touché. Donc, lui, pas suffit, ou même, vous êtes dans le bureau là, et vous prenez un frisou bien glacé, et vous passez au bail l'autre, et puis vous passez toute sortie à exécuter. Il faut le vérifier. Ah, mon cher, si c'est comme ça, si c'est comme ça, on va faire la pétrette. La fête 13 heures. Non, on n'est pas fait. On n'est pas fait. Donc, ça veut dire qu'il faut garantir l'ordre de bala exécuté à la lettre pour la population sécurité. Et ça, l'après, nous avons passé de là. Ce bail est lamentable. Mon cher, moi, je suis renversé. Ça me fait mal. Et pour comprendre le monde, il faut mettre la pôle. Je m'attends dans la radio. Et des parents, devant maman, il a boulé ma ville, mettez ma classe sur quelqu'un, vu des gaz, il a tout de suite, il a boulé. C'est pas un truc, c'est pas du tout en fait. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, que Adolf Hitler tape fait contre les Juifs, contre les témoins de Jéhovah, etc. Mais mes amis, haïssez pareil, tout le monde a fait. Je me demande, est-ce que diabolique ça contre la tête de mon sérieux? Mais ce ne sont pas très graves. Des gens qui passent avec la caillou, des bandits ou trois, c'est caillou. Quatre métiers sur nous, nous sommes extrêmement graves. Et ça fait mal en pile. Pour un degré, le niveau que il y a de ça. Donc, en tout cas, autorité qui a eu, je crois que c'est tout ça au capable. Et vous mettez l'ordre dans le pays. Alors, qui vient au même Amdabal pose une question, qui vient regarder l'arrivée de Nomi Lamo. Son aide de travail pendant deux fois, son aide, on est capable. Monsieur de DCPJ, moi, je suis commissaire au gouvernement. Nous sommes travaillés ensemble. Et nous devons faire bandit, c'est sur cette petite boîte d'être dans le domaine. Parce que nous devons faire un slogan opération garçon pas campé. Mon cher, c'était gros, causé à l'époque 2012-2013. Bon, l'un des ministres de justice pendant 4 mois, je suis encore dit que la police, nous avons rencontré des jeunes qui font de mon travail. Alors, là, moi-même, je pense capable d'espérer que la bonne support qu'il faut, et à partir du CSPM, l'exécutif là, pour M. Bayer, je vais passer M. Gros mauvais héritage, parce que l'héritage a eu l'héritage là, son héritage très lourd, son secret m'a douleur. M. Kité là, parce que son équipe qui passe là, pas fait rien. Dans toute bagaille, c'est zéro net. Rien, M. Bayer. Je crois que son héritage est très lourd. Et je que. Non, zéro, non. Je ne suis pas dit là, hier, quel que soit qu'on peut dire, on est du médecin. Même au niveau, il n'a qu'à dire que. Faire activité comme médecin, c'est zéro. Il garde ça à l'hôpital général de l'église. On y a tout dans l'hôpital. Alors, je souhaitais que M. Rameau, comme DG de la PNH, avant un support, et pour faire tout ça capable pour recommander qu'il y ait une marasse. Mais tout, et M. Luc Mandelil, nous connaissons que la police est très politisée. Et lorsqu'on est en institution politisée, on connaît qui piège, tout piège qui est là dans vous. On a là qui conseille ou qui genre ou pense que et Ramon Omil capable aborder nous c'est ça parce que c'est mais la police les politiques au prenant coup ça déjà on connaît très bien. Bon, de toute façon, c'est là qui pourrait résoudre la question sur parler là parce que la police là en vertu de la constitution, l'armée, la police, la politique, le droit à la police. Oui. Maintenant. Et bon, si ça on dit mais on y a là. On fait que pas de problème, mais ce problème, non, c'est pour résoudre parce que si ou bien l'instruction va respecter, il faut ça empêcher l'ordre de l'exécution. Donc, c'est pour mettre l'ordre de l'institution parce que si on est entré et en dans l'institution pour venir travailler pour le pays, donc on va aller travailler. Et tout le monde, quand dans le CSPN, le commandant-chef de la PNH a pris les dispositions qui s'imposent. Donc, c'est pas plein de problèmes parce que. Travail du fait là, travail du fait dans la police. Là. C'est pas moi avant, donc après, cher ami. C'est eux-mêmes qui vous faites. Vous reconnaissez ça. Je ne vais pas parler à mauvais grain là-dedans.
des gens qui ont un contexte politique. Vous comprenez ça? Mais l'institution en soi, son libéré, son institution qui est là, républicaine, comme l'armée. Eh bien, que nous faisons travail, donc pour faire nettoyer ça, et pour permettre que nous faisons travail, nos populations allons-nous. Parce que nous n'est pas capable encore. Ce n'est pas possible. Il y a des kidnappés qui ont des parents et greffiers. Mais nous avons boulé commissariat de Saint-Charles, nous n'avons pas la force de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons détruit des publics. Entre-temps, Ramonhomme, il a fait des de changements. Entre-temps, Ramonhomme, il a fait des séries de changements. Bon, pour un peu le monde, il y a des changements qui paraissent très intéressants. Mais on n'a pas trouvé que le doit aller plus rapide. Bon, et pas bien dire que nous sommes comme un héritage. Et Ramonhomme seulement il y a 2 semaines. Et là, 2 semaines, nous n'avons pas pu faire miracle, surtout Jean-Pierre Yankazi là. Moi-même, ça me souhaite pour Ramon, et ça me souhaite pour PIA, c'est l'exécutif là qui peut accompagner les institutions, la police là, ainsi que les embryons des forces armées d'Haïti, et pour mettre les théories ça au hors du pas de nous. Et moi, pas dit que il allait là. Et parce que c'est quoi de là, nous avons fait du tantôt. Même si nous avons un carton blanc, mais nous croyons que sans support exécutif là, quelle que soit la bonne foi qu'on gagne, on ne peut pas faire grand chose, si on n'a pas de soutien. Et les gens qui sont dans CPT, les gens qui sont dans primature, et les gens qui sont ministres, et ma parole intérieure, justice pour les ministres, avec collègues présidentiels. Si vous parlez de ça aussi, la vérité. Il faut gagner un soutien ça sans faille, il faut pas de langue du bois. Alors, là, gagner un autre élément vient rentrer dans le game. Non, pratiquement, je dis, il a fait 8 jours que tu as parlé de débarquement de. On partit dans Fossa, des contingents qui arrivaient en Haïti, ils sont sous le terrain. Qui sont pensés, nous, qu'à attendre, qui est-ce que tu as supposé faire? Parce que là, c'est yo venu pour porter soutien à la police nationale. Là. Bon, ou bien dit, ils ont venu en soutien à la PNH, à la police nationale d'Haïti. Ça veut dire ça. Si nous en soutien avant, ils sont demandés de nous faire. Si la police n'a pas bien plan de PH, ils pas gagné de tout faire. Et ça veut dire. Est-ce que tu es un plan dans la police? Ça t'a étonné si tu n'as pas bien plan du tout, parce que c'est depuis 2 ans, force ça, et le gouvernement avant, qui a demandé soutien ça, et avec le pays, amis d'Haïti. Donc, c'est pas du tout pas gagné qu'a fait. Faut que la police a des plans. Ah, mais justement, moi-même, ça t'a fait tourner mon pile sur la police a des plans. Ma vie a, et la bête du net. Parce que si on va recevoir des étrangers, des citoyens là, qui ont fait, on va pas dire que les citoyens sont venus, les étrangers sont venus, on va le battre du cas, on va le passer mort. On va le ranger table. D'accord, c'est comme ça, la vie. Elle est venue, et pour moi-même, tout le bagage qui a été préparé déjà, le vide du même plan, les cartographies qui viennent gagner, qui viennent goûter une chose, mais, si c'est qu'on est à l'album de ton plan, mon cher, bah, on est non, pas les sous tout le monde. C'est pas grave, oui. C'est juste. C'est pas grave, oui. Si t'as un plan, ça t'a fait tourner ma pile, et mon cher, on va pas dire plus parce que c'est vraiment, comme si on d'ado, et trop bien. Ah oui, tu sais, Dinab dit tout LBT là, tout le temps ça, LBT là, sur le gouvernement. Pas de mon plan vrai par rapport à ce qui là, qui définit plan d'opération, n'importe quel moyen pour attaquer. Oui, parce que c'est ça, je comprends, puisque il y a une aide. Moi, je comprends la police nationale parlement avec embryon, l'armée qui l'a. Tout le bail, ça a été bien élaboré, bien écrit. Et puis seulement venu, c'est exécuté, il y a exécuté. Voilà. Donc c'est vrai une semaine là et les bandits jusqu'à présent, monsieur est senti confortable, il n'y a pas peur, parce que déclaration qui lui a été jointe, ce n'est pas les jeunes, par une déclaration ferme, sans équivoque, sans langue de bois, pour déjoindre le groupe théoriste. Donc quelque part, monsieur a pensé qu'il a senti qu'il est confortable, pas grand faire peur, il n'a pas paniqué. Et qui fait monsieur apprendre le large jusqu'à présent. Et ça m'étonne. Et ça qui passe dans Grisia là, week-end ça, ou t'as qu'à dire, psychologiquement, il renforce, monsieur, il est bon pour vous, dans la bataille par où? Oui, quelque part, oui. Et moi-même, je pense que le gouvernement s'est monté là automatiquement par la justice, par non. C'est genre de tout avocat, moi-même comme avocat là-bas au Port-au-Prince,
à tout l'autre confrère, monsieur te pral mette et criminel ça dehors, qui est symbole du tennis, qui a été violé, vilipendé, avili, profané, le temps du tennis pour te mettre criminel ça dehors, mais jusqu'à présent après deux semaines, moi pas senti convénité pour chasser vagabond ça dans l'espace sacré ça. Donc symbole au pays, symbole justice au pays. Et s'il tombe dans le capital au pays, donc on est là qui ça nous prend. Elle dit que même l'Ontario, on va voir arrêter criminel, parce que c'est pas tout cap tombé dans l'opération, on va arrêter, comment on va juger. Ça, c'est notre gros drame encore. C'est notre gros drame encore que on va même voir que le gouvernement de l'Israël, on va sentir et qu'on préoccupe sur la presse à tout. Et pendant que nous avons la question de justice à tout. Parce qu'au pays, il n'y a pas qu'à fonctionner la justice quand même. Ah. Et tout le monde, problème, nous, là, c'est l'impunité à Baou. C'est l'impunité à Baou, tout le problème, nous, là. Parce que nous, là, on est même pas ça le faire, n'est pas ça le faire, n'est pas privé. Parce que le symbole que vous jugez là n'a pas existé. Le symbole de la justice, côté, côté par la justice, personne ne va connaître. Et il y a 3 ans comme ça. Donc ça veut dire que même si on prend le gouvernement qui vient là, et c'est pour des gestes qui ont été équipés par les justices. Mais automatiquement, nous parlons de justice, M. Lukman Delil. Et il faut entrer dans le système pour nous retirer de ces juges corrompus. Là, il n'y a pas qu'un système judiciaire avec des juges qui corrompus là-dedans, non? Oui, mais avant, pour aller évaluer les juges qui ne corrompus ou pas, okay. Symbole là même. Oui. Bon, méchant fort, de vous. Exact, exact. Bah, pays en plus confiance, c'est le symbole même de l'État. Parce qu'on nous a dit que juge honnête, mon dieu honnête, qui va le mettre au chita. Qui va le cabinet d'instruction, si on m'a dit, je ne vais pas connaître. Ok? Si on m'a dit, le cabinet d'instruction, je ne vais pas connaître. Je ne vais pas dire, bon, mal. Alors que voilà, nous sommes avocats, militants, je ne vais pas connaître la justice, pas de la justice. Quand le cabinet d'instruction, je ne vais pas connaître. Donc, ce n'est pas possible. Non, le problème, c'est que l'avocat a chômé des années. Bon, en plus, l'avocat parti. Et ailleurs, il a quitté le pays. Parce que j'ai dit que ce n'est pas la justice qui va exister encore. De qui ça va avocat vivre? Des tribunaux. Donc, il y a des tribunaux. Et on va sentir qu'on préoccupe sur la société pour nous équiper par la justice. Et situation ça, et je crois que les gens qui ont le pouvoir là, ils ont ou bien les gens qui ont le pouvoir, ils pensent qu'il faut faire fort parce qu'il n'y a pas de vigilance sur la responsabilité. Là, les gens qui ont fonctionné sur la responsabilité. Merci, cher maître. Voilà. Merci, cher ami. Justement, c'était maître Lukman Delil, et capable de nous, avocat. Bah, au départ, au prince, ancien commissaire gouvernement, ancien ministre de justice. On est qui c'est maître qui gagne. Malheureusement, il n'a pas voulu servir ensemble avec elle pour mettre un frein à l'action en gagne dans le pays d'Haïti. Et ça qui cause, ou capable de jouer aujourd'hui, que gagne est capable de valer terrain. Et Jean que le dit, et monsieur Ameyo pas recevoir un message fort et par rapport avec toute parole qui t'a parlé de nouveau gouvernement docteur Gary Koni bla 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 bandi yo pas recevoir un message si tu recevoir un message naturellement yo tapé yo va frapper fort comme ça et ouais monsieur reprend confiance et quelque part gonti panique mais yo avec action que yo posé dans commune Gressia crime ça que yo fait. En vérité, bon Dieu, bon Dieu montre que yo pa pè rien. Yo pa pè rien et la vie moun style pa présenter rien pour yo. Yo fait crime dans Jean Rouvlé, yo fait tout ça Rouvlé Jean ou Pipito, et ben justement tout moun capable comprendre yo. C'est ça oui. Et c'est gros causé oui. C'est gros causé. Parole yo a continuer parler. En dedans pays ya. Voilà. Et gagnent une intervention qui est extrêmement importante pour que me partage ensemble avec nous parce que pas oublier nous gagnent près de 300 000 haïtiens qui pral et bénéficier TPS et statut TPS là aux États-Unis d'Amérique et ben justement et haïtiens ça peut-être gagne pile là qui beaucoup vraiment bien habitué et comment yo capable bénéficier ou bien rentrer dans le programme ça et comment la pied ben nous même tout quelque part nous besoin gagnons idée tout nous obligés chercher et de intervention de monde qui spécialisé dans domaine ça qui expert dans domaine ça pour nous faire entendre gagner yon avocat et qui spécialisé dans domaine ça qui sont haïtiens ou américains et ben qui ba yon interview avec qui accorde une interview avec VOA Creole et ben a profité partager l'ensemble avec nous très important oui
En attendant, nous avancer avec l'autre intervention qui a un rapport avec Ravet, Yore Lemoy et Jean-Charles. Entendez avec un peu d'intérêt, partagez-les pour une facilité plus haïtien capable d'étendre et comprendre l'intervention. Ça. En avance. Capable d'appliquer. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est même date d'application, période d'application qui est pour les gens qui ont renouvelé avec les gens qui ont appliqué pour la première fois. Pour les gens qui ont renouvelé, ils ont un grand temps pour les gens qui ont appliqué pour la première fois, à partir du 1er juillet, ils ont commencé à appliquer. Mais ils ont tous 18 mois. Et TPS là, yon capable de faire appliquer, à recevoir nouveau application dans TPS. Mais pour moun nan qualifié pour lui, faut que moun nan te déjà présent aux États-Unis le 3 juin 2024. Évidemment, faut moun nan haïtien, peu importe les gens qui sont rentrés, capable d'entrer avec un visa, il est capable d'entrer avec le programme humanitaire Parole là, que nous avons le programme Biden, ou bien il est capable d'entrer sous frontière là, à travers la CBP, ou bien capable d'entrer par bateau, il était dans la prison, il était dans la détention à un certain moment, ou bien il vient de la guerre, et il capable d'appliquer pour capable gagner TPS pour première fois ça. Alors qu'on a nous prend qu'est-ce monde qui pas qualifié, qui gens monde capable pas qualifié pour participer dans le programme là même si ou t'as dans le pays depuis 3 juin. OK, pour un monde qui 3 juin 2024 pour pas qualifié pour même faut pas ta haïtien, sous pas haïtien on pas qualifié. Deuxième raison qui capable faut pas qualifié c'est si ou t'es condamné pour un crime qui rive dans niveau ça ou les félonies. Ou bien ou te gagné deux misdemeanors déjà dans l'histoire ou capable pas qualifier pour TPS et ou capable non sous gagné bagaille ça ou te gain conviction ça dans tribunal déjà ou pas qualifié pour TPS. L'autre raison capable pour pas qualifier pour TPS c'est si par le passé ou te fil au asile ou bien qui t'a allant interview devant USCIS ou bien qui t'a allant jugement devant un juge immigration et puis ou te trouvé que t'es gain menti dans asile ça juge la te mette ça dans décision il te dit que asile ça t'es frivole. Au monde comme ça il pas capable gagner TPS, il pas capable gagner aucun autre en bénéfice immigration. Yon moun par exemple encore qui était rentré dans pays en première fois, li rentré, li après ça li déplacé, li retourné ou soit déporté, li retourné, li rentré encore. Le rentré première lettre déportation te gen, yo remetté le compte li encore, ça fait l'entrée deux fois, moun ça capable pas qualifier pour TPS. Gen plusieurs cas spécifiques côté que moun capable pas qualifier pour TPS, mais dans immigration ça que moun yo de comprendre TPS fait partie de l'application côté que possibilité pour que wow dans le moment appliqué à possibilité que pour une bonne TPS là est très haut parce que en général si un professionnel a fait TPS ensemble avec ou un avocat a fait li, ça veut dire qu'il est déjà capable d'analyser ensemble avec ou est-ce qu'on est éligible, il est facile pour du moins pour capable analyser ça et une fois que nous gardons éligibilité quel autre bagage capable faire mon pas qualifié toujours, en pile passé. Parce que dans le TPS, il y a un paquet de questions à poser. Est-ce que tu es déjà? Est-ce qu'on persécute dans l'autre pays? Est-ce qu'on dit qu'on est un citoyen américain? Pardon, pas un citoyen américain, par exemple, ou tu es un faux passeport américain. Il y a un pile de choses qui sont capables de faire mon pas qualifié pour le TPS. Mais dans un pile cas, mon qui gagne une histoire qui est simple dans l'immigration, qualifié pour le TPS depuis qu'on rempli les critères. Alors, on qui t'a appliqué pour asile? Et que tu dis que tu n'as pas de balayage d'asile. Est-ce que mon ça dit toujours aux États-Unis, est-ce qu'il doit appliquer? Oh, définitivement, il est capable. C'est seulement pour exemple, côté que gon spécifique une décision te prend mon qui dit que ma asile ça t'es basé sur menti. Ça c'est les ça ou les mon ça te font asile qui frivole. Mais en général, mon qui applique pour asile à n'importe quel niveau que asile là est, il est capable de gagner capable appliquer et joindre TPS. Qui asile là dans niveau côté que pour jamais le point pour interview. Qui tu te le point interview, vous voyez dans tribunal après que fin 20 interview ou bien devant tribunal là quand il commence à avancer devant tribunal là pour finir ou bien juge là fini déjà décision finale ou bien décision en appel, eh bien, à n'importe niveau ça a occupé, depuis mon ça, pourquoi pas jamais sortir quitter États-Unis sans que le bateau document voyage, s'il pas jamais fait ça, eh bien, mon ça continue qualifié au statut de protection temporaire que nous avons les TPS. Bon, bah, au mentionné là, mais là, qui doit aller s'en bas, au monde qui te quitte États-Unis avec autorisation, avec le droit de Baldoa pour le aller voir famille, etc., le demande de permission pour le retourner, eh bien, mon ça, 3 juin, prend le dehors. Et mon ça vient rentrer après 3 juin, donc mon ça est éligible. Définitivement, il est éligible pour capable enregistrer. Parce que j'en dis, si mon été déplacé avec un document voyage qui fait que le 3 juin de prendre lieu, c'est justement parce que j'ai dit que l'organe TPS, il y a un critère, c'est qu'on est supposé présent continuellement aux États-Unis sans aucun tout vide.
Ça veut dire que nous avons une autorisation pour voyager. Et l'on voyage, on fait un voyage qui coûte, ok, en fonction de Tayobao, et comme mon qui gagne ces pièces, et qu'on retourne, l'on retourne, nous ne pas considérer côté abandonné ces pièces. Cependant, si vous déplacez pendant ces pièces, ou sans que vous pas gagne un document voyage, laissez vous abandonner le statut de ces pièces. Donc, mon qui retourne, qui même si toi j'étais pas le dehors, mais il retourne parce que le gagne ces pièces, il était en voyage, il retourne. Pas de problème pour moun sa capable appliquer pour que li capable renouveler ou enregistrer pour TPS. Il est important pour moun di pour moun dans question renouvellement TPS. C'est que si ou gagne TPS qui a expiré 3 août 2024 année ça. À partir 1er juillet 2024 ou supposé à appliquer pour renouveler li et au gondé les 60 jours pour faire ça, délai ça a expiré le 30 août 2024, ça veut dire. Moun qui pour renouveler TPS yo gagne plus urgence pour agir vite. Que moun ki a pas appliqué pour première fois yo, parce que moun ki a pas appliqué pour première fois yo gon gros délai pour yo fin faire appliquer tandis que moun ki a re-enregistré dans TPS seulement yo gen jusqu'à 30 août 2024 ça veut dire ça pour yo faire li. Cependant pendant y a fait là yo n'a bagay pour yo songer et que quand toi travail là de connait c'est que yo pas capable retirer dans travail là ou bien suspendre dans travail là juste parce que quatre travail a expiré 3 août 2024. Le gouvernement fédéral là li dit que quatre travail qui marque 3 août 2024 yo en bas TPS pour Haïti, yo gen une extension automatique sur yo jusqu'à 3 août 2025. Tout côté wap travail doit d'accord ça et si yo pas d'accord ça, ou capable contacter avocat ou pour capable ba ou lettre pour ça, pour capable ba ou l'autre document officiel pour porter ba ou pour faire ouais que ou gen un quatre travail même s'il écrit 3 août 2024 sur li gen une extension automatique pour un an sur li pendant que ou attend nouveau quatre travail ou pour appliquer la même pour TPS là qui a couvert tout 18 mois TPS là. Alors met la gen immigrant qui dit dans programme Biden là est-ce que nous suggérer que yo entre dans TPS à de préférence ou bien toujours été dans programme Biden là en attendant pour que ça cap passer sur capable faire yo faire comme ça. Yo capable rentrer dans programme TPS là et c'est pas on abandon y a fait du programme Biden non c'est en coup y a vinn gagner tous les deux statuts à la fois et ça pas déranger rien maintenant tous les deux ces statuts temporaires et le fait que dans programme Biden dans programme nan te, on statut que te gagner pour 2 ans que nous pas connait qui ça cap venir là dedans après 2 ans leur rentrer dans TPS là pour 18 mois l'histoire montre que plusieurs fois déjà ils renouvelé TPS ça qui t'a fait que nous gagne plus exemple sur TPS que nous gagne sur programme humanitaire là qui nous veut right? Donc il y a plus exemple côté que depuis 2010 il y a renouvelé TPS pour Haïti tandis que pour le programme humanitaire, là, étant donné que l'effet paraît, il est difficile en pile pour nous prédire l'avenir sous lui-même. Même j'attends sous TPS, là, il dépend de pile facteur politique que nous-mêmes n'avons pas contrôlé. Mais l'important pour que les gens qui entrent dans le programme humanitaire là, appliquent pour TPS, là, parce que TPS n'a pas dérangé le programme où tu es entré là-dedans, non, on a toujours là-dedans. Même j'attends, on a toujours dans TPS, là, il n'y a pas dérangé l'autre comme statut qu'on est capable de gagner, comme statut légal dans le pays. Là. Maintenant, on va toujours analyser pour est-ce qu'on a besoin de 4 travail en bas. Tout de suite, si on a 4 travail, il n'y a pas un problème non plus. Mais on est capable de dire que si on a 4 travail déjà, je vais regarder qui l'a expiré, si je fais l'autre, est-ce que l'autre l'a plus long passer, et puis en fonction de ça, on est capable de décider sous besoin de travail. Mais ça, je pense que tout le monde qui est dans un programme humanitaire, parole, le programme Biden n'a pas fait, il est supposé appliquer pour TPS là, pendant que il a toujours continué à gagner un statut que vous avez dans le programme Biden. Là. Et si l'heure est puis renouveler ou pour l'autre 2 ans dans le programme Biden, là, ça ne va pas empêcher que vous renouvelez normalement. Alors qu'on en parle de prix, non, parce que c'est un souci. Que les compatriotes nous gagnent, c'est combien l'argent ça a coûté. Par exemple, les gens qui entrer dans TPS, nous connaissons que même si vous venez dans le programme Biden, vous pouvez payer quand même, par exemple, pour gagner un permis de travail, là, par exemple. Mais nous connaissons qu'en avril passé, il y a un changement qui a été fait dans la modification sous prix. Est-ce que les gens ont une idée déjà de prix que ça a coûté? OK, effectivement, je suis capable de couvrir le prix gouvernement pour, parce que le prix qu'on a payé avocat varie de un avocat en l'autre, même bon prix officiel que le gouvernement a gagné pour lui-même. Maintenant, pour le prix avocat qui a travaillé ce dossier-là, il est capable de varier. Maintenant, qui est le prix gouvernement? Pour moi qui a pas appliqué pour TPS pour une première fois, ou payer frais l'État $80. Dans $80, ça c'est $50 pour TPS, là, $30 pour ça. Donc, vous payez $80 pour TPS initial. Et puis, pour 4 travail là,
si vous faites 4 cavalas sur application que vous voyez en ligne, vous payez $470. Si c'est une application que vous voyez sous version papier, parce que vous mieux disponible sous papier, vous êtes capable de vous voir par la poste, eh bien, le ça, vous payez $520. C'est frais ça que vous payez pour petit pièce initial. Si vous avez enregistré dans petit pièce, vous payez $30 seulement pour pouvoir enregistrer dans TPS. Et si vous pouvez enregistrer dans TPS, là, vous choisissez pour qu'on fasse 4 travail sous même TPS ou à faire, eh bien, c'est même prime sur l'heure. Soit faire online, $470, soit faire sur papier, $520, qui c'est le prix que vous payez pour capable renouveler 4 travail en bas de TPS. Là. Et puis, si vous choisissez un document voyage, vous qui pensez qu'on capable besoin de document voyage pour renouveler TPS, ou bien pour faire TPS, vous conseillez tout faire. Parce que il prend un peu de temps parfois pour qu'il approuve. Mais nous toujours dit ne pas faire document voyage seulement pour moi flâner en Haïti parce que yo bay TPS c'est parce que yo dit condition en Haïti tellement pas bon que il pas fait sens pour que force haïtien retourner. Ça veut dire que il pas fait sens non plus tout pour haïtien à faire document voyage juste pour visiter. Nous comprenons que nous gagnons des urgences, nous capables de gagner des attachements sous des l'autre bagaille que nous supposons régler. Faut que nous réglions, c'est pour ça un document voyage là, pas déplacer sans lit, mais ou faire document voyage là, c'est si vraiment au besoin. Les mêmes les gros frères à pas pour lui, qu'on paye le gouvernement qui c'est $630 lorsque on fait un document voyage qui basé sur TPS. Donc, c'est ensemble prix ça pour le gouvernement que mon a payé lorsque l'a fait TPS. Effectivement, je me dis, frais de préparation, frais du avocat, là, capable toujours différent de l'avocat en l'autre. Mais tout le monde qui a un problème pour, pratiquement, qui a une difficulté pour comprendre ce qui a passé, il est mieux que contacter un avocat sous question pour discuter situation. Bah, chaque monde capable de situation particulière. Chaque monde a une situation particulière. Il y a un dossier TPS, un dossier légal dans tout l'autre dossier. Que lié, l'important pour que l'homme a avancé avec dossier ou avec si le fait que nous avons interviewé ça montre que charge complexité là-dedans. Il n'est pas seulement yon qu'est-ce qui est limité à remplir en forme, répondre à une question, mettre nom, prénom, date de naissance et puis vous y aller. L'y vraiment plus loin que ça. Et très souvent, moi, qu'on voit que c'est parfois lorsque mon arrivé vraiment plus loin, non, bagaille que le dépensé qui simple et puis lui vient réaliser que le pas aussi simple que le pensé. Et puis cela, ça allait venir chercher pour moi voir qu'on qu'est-ce qui vient dans ce genre plus compliqué, qui fait que lui fait des dépenses qui plus que si à l'initial, l'était utilisé un avocat pour que lui fait lui. Ça veut dire que l'est toujours bon pour que l'on utilise un expert, même dans bagaille qu'on capable qui paraît qui plus simple, parce que il y a une raison qui fait que vous expert qui travaille là-dedans, c'est parce que il y a une complexité qui est capable d'échapper à un autre monde, que l'expert là lui-même capable d'aider à analyser plus bien. Donc, il y a une limite l'âge en termes de parents, par exemple, parce que parents qui doivent faire application pour sous États-Unis pour aucune résidence, mais on sont mineurs quand même, ou avec les parents, parents qui ont toujours appliqué pour vous, ou bien on est capable de faire application pour contrôle. Bon, limite d'âge dans ça? Définitivement, tout le monde est capable de faire application pour TPS ou, sans compter sur l'âge. Je dis deux bagages sur ça. Premièrement, pour parler de signature, qui est capable de signer. Et puis, deuxièmement, pour parler de Timonio qui fait Brésil, Chili. Ben, on va aller dans signature. On moun pour signer en forme dans l'immigration, en forme USCIS, on suppose qu'il y a 14 ans au PPT. On capable de plus que ça, on ou pas capable de moins que ça. Si on a moins que ça, on a besoin de gardien, de un parent qui est capable de signer en forme dans la place. Le ça, la signe, la mette non li, li pap mette non pa ou, et puis la mette en parenthèse maman ou bien papa en anglais, mother, father, la écrit ça à côté li, et puis la by preuve, tant qu'acte de naissance qui pouvait que li yen droit pour le signer parce que c'est parent que li yé. Et puis, il y a une application pour Timon, peu importe l'âge que Timon a gagné. Deuxième question que nous toujours jouons, c'est Timon qui n'est pas fait en Haïti et qui est fait dans le pays côté que parent a transité ou bien a vivre pendant longtemps. Timon a fait Guyane française, il a fait Mexique, il est capable de faire Brésil, il est capable de faire Chili, etc. Timon, ça, c'est petit qui est haïtien lié. Constitution pays d'Haïti reconnaît Timon Sara comme un haïtien parce que l'est né de père ou de mère qui est haïtien et qui ont même les autres fait là, t'es haïtien. Par conséquent, États-Unis a obligé de reconnaître comme haïtien et par conséquent, premier critère qualification dans TPS, là, les remplis, les qui c'est être haïtien. Deuxième critère là, est-ce que l'était la 3 juin, l'était la 3 juin. Donc, nous capables de faire application pour Timon Yo, même si yo pas nécessairement prendre naissance en Haïti. Si nous capables de prouver que nous haïtiens, effectivement, avec avocat ou capable de garder qui preuve nous capables d'utiliser pour nous capables de prouver que Timon Sa est haïtien, Timon Sa qualifié pour TPS, même si il gagne une autre nationalité. On Timon Captain, en fait, on ne peut pas même dire Timon, il y a un Captain résidence, par exemple, mais qui est aux États-Unis.
mon ça a intérêt à entrer dans TPS parce que je souhaite que ça parce que TPS ça permet des statut légal en général lorsqu'on obtient une résidence dans Pifokayo les demander pour un statut légal pour obtenir une résidence non. Sauf pour monde qui c'est famille immédiate un citoyen américain donc monde qui marié qui un citoyen américain ou bien un enfant mineur d'un citoyen américain ou bien maman papa un citoyen américain mon ça yo même si yo ta grand moment côté yo pas légal dans pays yo capable toujours joindre résidence dans pays sans pas déplacer tout l'autre monde yo en général yo dit yo si ou te gon période côté ko te venir sur un visa 6 mois te fini ou te rete même si ou te appliqué pour asile mais 6 mois te fini ou te rete en plus de 6 mois ou bien ou te rentré sous frontière ou bien ou te vini non l'autre programme temporaire ou te vini non visa étudiant ou te quitté l'école là ça veut dire visa perdu parce que visa étudiant te mandé pour côté toujours l'école à tout moment eh bien ou vient perdre statut en général yo dit bon ou besoin retourner dans pays côté ya pour l'interview par conséquent le monde gagne statut légal qu'aucun mais pendant tout temps sans qu'on pas jamais retrouver dans mitan statut légal là lui permet qu'on pas gagner obligation ça pour que à l'avenir leur monde a bonne résidence pour qu'on obligé à dire que faut qu'on retourne dans pays côté sorti pour que on l'appliquer pour résidence ça c'est ça qui fait que dans cas monde qui rentre dans programme humanitaire parole là li vinn pi bon pour eux toujours parce que en pile nan yo bien presque tout nan yo 2 ans pour qu'on expire et yo get pas l'appliquer pour TPS ça veut dire vraiment pas get trouvé dans mitan statut pendant en pile année si on river renouveler au moins yon nan statut ça yo tout temps sans que pas jamais on trouvé côté que pas gagne ni parole ni TPS mais depuis yo gagne nan pendant tout temps même si 5 ans a passé a tenir résidence par exemple que on parent ba yo comme enfant adulte par exemple y a toujours capable rester éligible pour lui parce que pas jamais te gon moment côté que de perdre statut légal dans aux États-Unis. Est-ce que parce qu'il y a une question qui vient souvent, c'est monde par exemple que on parent loin, une famille loin, ça veut dire frère, sœur et font application pour lui et mon a trouvé bien entrer aux États-Unis sur programme Biden. Est-ce que monde ça plus ou moins est-ce qu'il est capable ajuster statut même les immigration pas qu'on dit que tu as approuvé demande que tu as fait pour lui. Faut que tu approuves lui et ensuite faut que tu approuves pétition initiale que tu as fait pour lui, le relais à l'ISA-traitement. Et ensuite, faut que date que tu as fait l'ISA-traitement, que nous avons les dates prioritaires, faut que tu arrives dans tête ligne. Ça veut dire faut que tu n'aies pas mis qu'est-ce que tu as travaillé sur lui dans le moment. Avant que tu sois capable d'appliquer pour résidence sur une pétition comme ça. Par exemple, il y a une pétition Fouet Axe, il y a aux environs de 2008 actuellement, dans la question Fouet Axe. Ça veut dire c'est mon côté qui a déposé pétition initiale pour ce ou bien Fouet aux environs de 2008. Que y est actuellement c'est mon qui quand il y a là rentre dans Biden il est capable d'ajuster statut mais la un bulletin que publie chaque mois qui est un visa bulletin que on capable consulter online avec moi quoi là dedans par exemple ça pour juillet disponible actuellement regarder li et vous regardez dans catégorie où il y a qui côté où il est qu'on y a et sur où dans date où on a oublié ou quitter le dernier déjà le ça on capable appliquer pour ajuster statut mais tout autant que le ça pour arriver même si il a approuvé pétition déjà ou pourquoi capable d'ajuster statut. Supposez un, tant qu'il y a ajusté approuvé pétition, hein, et puis deux, ou date priorité arrivée. Dans certains cas, quand date priorité est arrivée, yo sou, et que pourquoi approuvé pétition, ou capable toujours appliquer pour ajustement statut, sauf que le pour approuver ajustement statut, ça pour vous, il y a besoin d'approuver. Il s'entraîne d'abord, et ensuite approuver ajustement statut que vous appliquez pour lui. Ajustement statut, il y a pour les gens qui pas habitué à terme, ça veut dire les gens qui appliquent pour résidence pendant aux États-Unis déjà, et à recevoir résidence dans aux États-Unis sans que vous pas déplacé à une interview, non ambassade à l'étranger. Est-ce que vous pas dit que si vous avez une résidence dans l'autre pays, ou pas qu'à couvrir dans le programme ça dans le programme TPS là oui si on a résidence déjà dans l'autre pays ou capable pas qualifié pour TPS pour ça me dit capable c'est parce que nous même comme avocat nous chargé précédent que nous capable utiliser dans certains cas surtout pour haïtiens nous rivé par le passé dans TPS 2021-2022 nous rivé joindre TPS pour haïtiens qui ont résidence dans l'autre pays yo, lorsque nous sommes capables de prouver que gagner un critère qui réunit côté que moun sa, même si il y a une résidence dans l'autre pays, mais conditions qui gagnent en Haïti,
toujours applicable à lui-même et permettre que nous capables faire l'autre argument qu'il a pour ça, pour que nous montrer que Monzac est toujours qualifié pour TPS. Donc, théoriquement, question de nationalité, question de résidence dans l'autre pays, c'est une limite liée dans TPS, mais il y a une exception que nous-mêmes, comme avocat, capable d'utiliser à travers précédent que tribunal utilisé déjà dans le cas qui arrive devant eux. Il y a un tribunal qui fait appel, qui prend décision contre USCIS, lorsque USCIS prend une décision que vous pensez qui n'est pas bon, c'est en ligne de Board of Immigration Appeal, BIA. Il y a un précédent qui a justement rapport avec ça, que nous capables d'utiliser au cas par cas pour nous garder. Est-ce que le fait que vous avez une résidence chez lui, faut tout pas qualifié pour TPS? Pas nécessairement. Est-ce que le fait que vous avez une résidence Brésil, faut tout pas qualifié? Pas nécessairement. De manière générale, oui, mais au cas par cas, nous sommes capables d'analyser pour nous est-ce que nous sommes capables toujours faire une application TPS pour vous et faire qu'au jeu d'une exception qui permet de toujours qualifier pour TPS. Et question réunification familiale, là, il n'y a pas couvert tout dans TPS là ou bien? C'est deux programmes différents. Il y a trois bagages différents actuellement que Haïti a bénéficié. Premier bagage là, il a bénéficié de programmes, nous sommes les programmes Baden, programme Paul. Deuxième bagaille, elle a bénéficié de programme réunification familiale. Réunification familiale, elle a voulu dire, moi, j'ai une pétition résidence qui là, qui est dedans, qui est pending captain. Mais je ne suis pas capable d'arriver sous moi à cause de tant d'attentes que nous avons expliqué dans le foyer accès, par exemple. Mais, là, on fait calcul. Je remarque que j'ai environ 24 à 30 mois qui étaient pour arriver sous moi-même, pour être capable de relayer, pour être capable de venir dans la tête, dans la date pour arriver, en fonction de ce que nous avons expliqué dans le foyer accès. Et étant donné que vous ça, le gouvernement, à travers le Centre national visa qui est le NVC, ils vont invitation à moi, à travers sponsor, non. Parfois, ils vont lettre là-bas. Ils disent sponsor, nous remarquons que nous ne pouvons pas arriver sur le monde là. Mais, si vous voulez, nous sommes capables de permettre que le monde ait une tonne de résidence là, aux États-Unis, au lieu que les continuent de 2-3 ans de en Haïti, ou bien dans le pays qu'on sont là. Ça, c'est réunification familiale. Le monde a venu aux États-Unis, il vient tonne. Le arrivé pour capable faire justement statut que nous sommes parlé de l'état l'heure. Ça, c'est réunification familiale, mais seulement pour le monde qui était déjà sous résidence et qui est presque arrivé sous. Et puis, troisième programme, c'est TPS, qui est statut de protection temporaire. Tout Haïtien, en général, qui était là déjà aux États-Unis le 3 juin 2024 et qui remplit tous les critères d'éligibilité, il est qualifié pour être capable d'appliquer pour lui. Et pour la catégorie de monde qui vient en nouveau monde, il y a pratiquement jusqu'au 6 février 2026 pour appliquer. Exact. Et c'est le statut que 18 mois TPS que vous avez fini. Vous avez tout duré 18 mois pour être capable d'appliquer parce que USCIS voulait espacer la quantité d'application. Par exemple, il y a une petite quantité de temps où tout le monde a appliqué, il fait que tout le monde a appliqué en même temps. Mais pour qu'on y a là, il permet que tout le monde ait droit choisi pourquoi appliquer pour TPS pour une raison bien pour l'autre et soit que la résidence qui est pending la regarder comment ça va passer, etc. Il y a une raison qui est capable de faire comment pourquoi appliquer pour TPS, donc c'est permis, mais parce que pétition initiale est capable de faire jusqu'à 3 février 2026. Mais mon gars, pour renouveler TPS, il doit toujours songer que l'important pour renouveler TPS avant le 30 août 2024. Et surtout, mon qui est TPS depuis ce tremblement de terre, TPS a été connu une extension automatique sur lui. Depuis lorsque le dossier s'est dans le tribunal, etc. Il a fait une extension automatique jusqu'à 3 août 2025 sur lui, mais il a encouragé tout le monde qui était en TPS depuis 2011 pour qu'il réapplique Konya dans un TPS qui est nouveau qui est sous président Biden. Parce que l'ancien TPS là capable de finir à n'importe quel moment, TPS 2011, là, et dans l'annonce officielle que le gouvernement fait, il a rappelé aussi peut-être la dernière fois que la bas extension automatique sur TPS 2011. Là. Moun qui était en 2011, il est très probablement qualifié pour TPS 2021 qui était bail, ou bien pour TPS 2022 qui s'est sanié capable d'expirer 3 août 2024 là, et aussi pour TPS 2024 qui s'est capable d'expirer en 2026 là. On moun qui n'a ancien TPS yo, ou bien intérêt pour qu'on pas font re-enregistrement dans nouveau TPS non, ou faire une application initiale dans nouveau TPS là, pour que ou capable de rentrer là-dedans, pour que si ça 2011 là, yon l'a abandonné l'être, pour qu'ils rentrent dans nos voies, pour que tout le monde vienne gagner nos voies sans problème. Mais si je dis là, avant que tu ailles, pas gagner, que tu voulais dire que moi-même, pas de changement d'eau. Et ça que moi, je voulais dire, c'est que le monde qui a venu après ça, pas qualifié. Parfois,
en pile fois moun ki pa nan domaine la loi qu'on pense que tout près c'est la caille bien près par la caille dans la loi c'est soit là dans ou bien dehors li même si on moun vini le 4 juin 2024 à minuit 5 li pa la dan effectivement moun content des moun ki dit bon gon moun ki te prend chance li était bon etc. C'est différent ça qui entre professionnel là qu'un monde qui a prend chance nous même nous pas prend chance nous c'est professionnel nous on ça la loi dit nous fait ça la loi dit que faut coûter le présent aux États-Unis déjà sur sol là le 3 juin 2024 peu importe l'heure que vous êtes dans la journée de pour arriver à terre ou bien arriver sur territoire qu'on capable prouver ça donc c'est ça ça veut dire que pas à l'appliquer pour un bagage faut pas à faut pas qualifier right? Et puis ça c'est un deuxièmement au sérieux, c'est pas une simple application pour simplement besoin de vous aller prendre une pièce au sérieux parce que effectivement si le président du pays prend le temps pour faire réunion pour écrire un gros document pour justifier pour que ça la balle ensuite pour le balle pour la période pour appliquer pour lui justement c'est parce que c'est pas un bagage qui est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous supposez prendre ça très au sérieux. Et puis, trois, l'offre de pièces, continuer ou enregistrer la donne chaque 18 mois finir ou enregistrer la donne à temps. On ne peut pas jamais perdre du statut, ça parce que son statut légal que lié qui maintenant aux États-Unis, qui est un bon bagaille pour. Donc, à me remercier, la Voix de l'Amérique qui fait des émissions comme ça, très bien. Capable de faire info service et des monde comprendre et ouais qui côté y a mettre pied dans le pays. C'est vrai que dans pile information de eux, mais lorsque nous prenons pour nous expliquer comme ça, je pense que pile monde capable de joindre un petit morceau. Très bien. Et c'est alors, on va remercier tout d'abord la Voix de l'Amérique pour bel travail ça. On va remercier avocat et haïtien en tout, et jeune garçon. Nous remercions pour service dans la communauté. Kembela, on monte tout haïtien qui était supposé contacter un professionnel avocat et comme ça, qui se parlait là, mais quand c'est mettre la guerre et nous pas en contact lui. Peut-être lui-même l'a fait effort pour lui quitter contact lui pour nous avoir contacté lui. Et l'important, son professionnel qui parlait. Alors, et bon, j'en ai dit là. Et n'a pas campé là avec programmation pour jeudi, hein. N'a pas continué. Et demain, si Dieu veut, 4 juillet 2024, là, qui s'est à fête et indépendance des États-Unis, c'est ça? C'est un dopé, moi, parce qu'on est, ça fait pas tellement qu'on est, mais il faut me connaître. Pour petit Américain au Captain Dim là, et n'a pas fait me connaître. Bon Dieu, béni chaque gagne dans nous, Captain Dim, gardez-nous dans le moment ça. Kembela.